Hello everybody, my name is Bernice from DB English. Salut tout le monde, moi je suis Bernice de DB English. Jodi an, nous allons apprendre comment nous sommes capables d'utiliser do et dose dans la langue anglaise. Pas oublier, c'est la façon qui est plus simple pour nous capables de poser des questions dans la langue anglaise. Avant même de commencer cette vidéo, pas oublier abonner à la chaîne. Partagez-le dans tout groupe. Quittez un commentaire, like, j'aime, une façon pour nous encourager ma travail là. Let's go. Do and does. Generally, we use do or does to make question in the simple present. Do and does. Généralement, nous capables d'utiliser do ou does pour nous capables de poser question dans le présent simple. To make a question, you have to add do in the beginning of the sentence. Pour poser une question, vous supposez mettre do dans le commencement de la phrase. Là. Do is an auxiliary verb. Do son verbe auxiliaire. Pas oublier, tout verbe auxiliaire lié do conjugué yon l'autre verbe. Do plus I, do plus you, do plus we, do plus they. I, you, we, they, tout ces sujets yoy. I, qui c'est moi-même, you, qui c'est ou même, we, qui c'est nous, they, qui c'est yo. There are two ways to answer this question. Gen deux façons ou capable répondre question ça. You can use yes to answer affirmatively. Ou capable utiliser yes pour répondre aux questions affirmativement. And don't to answer negatively. Et ou capable d'utiliser don't pour répondre à une question de façon négative. Par exemple, for example, affirmative, une phrase affirmative. You speak English. You speak English. Ou parlez anglais. Ou parler anglais. Ça sont phrases affirmatives. Question. Pour poser une question, ça a besoin d'où. Ou à mettre d'où devant phrase ou pour le poser. Exemple. Do you speak English? Do you speak English? Ou parler anglais? Ou parler anglais? Deuxième. They like to eat mango. They like to eat mango. Yo reme manje mango. Yo reme manje mango. Lorsque m'a une phrase ça pour me poser une question avec elle, qui ça m'a fait? Moi besoin d'où? D'où ça m'a mis le devant phrase là. Par exemple, do they like to eat mango? Do they like to eat mango? Y'aurait aimé manger mango? Y'aurait aimé manger mango? Interrogative and affirmative form. Form interrogative ak form affirmative. En suivant exemple. Do you want to eat sour soup? Do you want to eat sour soup? Ou voulez manger courgosol? Ou voulez manger courgosol? Ça, c'est une phrase interrogative. Pour me répondre à la phrase,
m'a besoin yes, qui signifie oui. Yes, I want to eat sour soup. Yes, I want to eat sour soup. Oui, moi vle manje kousol. Oui, moi vle manje kousol. Ça, c'est une phrase affirmative. Interrogative and negative form. Phrase interrogative à phrase négative. A. Do you want to eat sour soup? Do you want to eat sour soup? Ou vle manje kousol? Ou vle manje kousol? Ça, c'est une phrase interrogative. Pour répondre phrase ça de manière négative, qui sont besoin? Ou besoin don't. Qui j'en va répondre? No. No. I don't want to eat sour soup. I don't want to eat sour soup. Non, moi pas vle manje kousol. Ça son phrase négative. And pour l'autre exemple. Affirmative form. Form affirmative. You like to eat pineapple and apple. You like to eat pineapple and apple. Ou reme manje ananas ak pomme. Ou reme manje ananas ak pomme. Kounya, pou m pose question avec même phrase ça, mwen besoin d'où. M pral mete d'où devant phrase ça en façon pou m ka poser question. Do you like to eat pineapple and apple? Do you like to eat pineapple and apple? Ou reme manje ananas ak pomme? Ou reme manje ananas ak pomme? Phrase affirmative. You like to eat papaya every day. You like to eat papaya every day. Ou reme manje papaye chaque jour. Ou reme manje papaye chaque jour. Now, pour poser question avec phrase ça, ou seulement ajouter dou devant. Do you like to eat papaya every day? Do you like to eat papaya every day? Ou reme manje papay chak jou? Don't. We can use don't to ask interrogative and negative questions. We can use don't to ask interrogative and negative questions. Nou kapab utilize don't pou nou pose question interrogative ak negative. Exemple. Don't you like apple juice? Don't you like apple juice? Est-ce que ou pa reme jus pomme? Est-ce que ou pa reme jus pomme? Pour répondre à question ça de façon affirmative, ou à utiliser yes qui signifie oui. Yes, I like apple juice. Yes, I like apple juice. Oui, moi reme ji pomme. Oui, moi reme ji pomme.
ou si nous voulons répondre à question ça négative, nous utilisons no avec don't pour nous répondre à question. Par exemple, no, I don't like apple juice. No, I don't like apple juice. Non, moi pas rime j'y pomme. Non, moi pas rime j'y pomme. We use does in the third person of the singular. For example, he, she, it. Nous capables d'utiliser does dans troisième personne singulier. Par exemple, nous gagnons he, she, it. He, qui c'est li, masculin. She, qui c'est li, féminin. It, qui neutre ou capable d'utiliser pour bête ou capable d'utiliser pour toute bagaille. To make a sentence with does, you have to add does in the beginning of the sentence. Pour poser une question avec does, faut qu'on mette does dans le commencement de la phrase. Là. Nous avons does plus he, nous avons does plus she, nous avons does plus it. Good to know. Nous supposons comme ça. We can use it for things or animals. Ou capable d'utiliser it les n'a parlé de toute bagaille ou les n'a parlé de toute bête. For example, she eats 3 oranges alone. She eats 3 oranges alone. Li mange 3 oranges pour compte. Li mange 3 oranges pour compte. Interrogative and affirmative form. Form interrogative ak form affirmative. A. Does she eat 3 oranges alone? Does she eat 3 oranges alone? Est-ce que li mange 3 oranges pou compte li? Est-ce que li mange 3 oranges pou compte li? Pour répondre à la question, on va utiliser yes. Oui. Yes, she eats 3 oranges alone. Yes, she eats 3 oranges alone. Oui, li mange 3 oranges pour compte li. Forme interrogative ak forme négative. A. Does Anne eat all the strawberries alone? Does Anne eat all the strawberries alone? Est-ce que Anne mange toute fraise pour compte li? Est-ce que Anne mange toute fraise pour compte li? Pour répondre à une question ça, on va mettre no plus doesn't. Pour qui ça no doesn't? On dit doesn't, c'est parce que question a été posée avec does. En allouez. B. No, Anne doesn't eat all the strawberries alone. No, Anne doesn't eat all the strawberries alone. Non, Anne pas manger toute fraise pour compte. Non, Anne pas manger toute fraise pour compte.
Danny goes to school every Saturday. Danny goes to school every Saturday. Danny allait à l'école chaque samedi. Danny allait à l'école chaque samedi. Interrogative and affirmative form. Forme interrogative et forme négative. A. Does Danny go to school every Saturday? Does Danny go to school every Saturday? Est-ce que Danny allait à l'école chaque samedi? Est-ce que Danny allait à l'école chaque samedi? Yes! He goes to school every Saturday. Yes! He goes to school every Saturday. Oui, lui allait à l'école chaque samedi. Oui, lui allait à l'école chaque samedi. Pas oublier, Danny représente troisième personne singulier. Si je n'avais pas dit Danny, je suis capable de remplacer Danny par he. C'est ça que fait mon dit yes, he goes to school every Saturday. Je suis capable de dire yes, Danny goes to school every Saturday. C'est même bagaille là. Ou si n'après pour une question ça de façon négative, étant donné n'a parlé de troisième personne, n'a prend doesn't. B. No, he doesn't go to school every Saturday. No, he doesn't go to school every Saturday. Non, li pa ale l'école chaque samedi. Don't forget, the negative form of does is doesn't. Pa bliye, forme négative de does, c'est doesn't. Rules for the third person of the singular. Ça, c'est règle pour troisième personne singulière. C'est vraiment facile. Pas oublier, lorsque nous parlons de troisième personne du singulier, nous avons he, nous avons she, nous avons it. Pas oublier, he pour masculin, she pour féminin, it ou capable d'utiliser pour toute bagaille. Ou capable d'utiliser pour tout bagay ou du moins bête. In general, add S. En général, mettez seulement S lorsque yon verbe termine par yon consonne. Exemple. Work, works. Eat, eats. Swim, swims. Walk, walks. Act, acts. Verbs ending by consonant plus Y. Y plus IES. Lorsque yon verbe termine par yon consonne plus Y, ou ap change Y la en IES. Exemple. Study, studies. Cry, cries. Try, tries. Spy, spies. Fly, flies. Verbs ending in SH.
TCH X SS O. Lorsque un verbe termine par SH, TCH X SS O, ou seulement ajouter ES devant. Exemple: go, goes. Wash, washes. Watch, watches. Mix, mixes. Kiss, kisses. Merci en pile parce que nous t'ai gardé vidéo. Pas oublier, mon seul bagage m'encourage nous fait. Abonnez à canal là. J'aime. Partagez-le dans tout groupe. Partagez l'examen nous dans contact nous sur WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook. Partagez l'examen nous. Yon façon pour nous encourager me faire ça pour nous. C'est un plaisir pour nous d'avoir nous. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre plus de choses toujours. Nous allons voir comment nous sommes capables d'appliquer. Très facile. See you next.